Angels fans. J'y arrive pas! Ah! Comment on fait déjà pour rétrécir ce bouquin? Mon pauvre Basilico, tu es sous le contrôle de ces deux maîtres chanteurs, et du coup, ils me maîtrisent moi aussi. Hé, hey, Sulfus, hein? Tu m'écoutes? Oh. T'as un problème? Ouais, j'arrive pas à réduire ce truc, il est hors de question que je me balade avec, il pèse une tonne! Regarde! Oh! Je peux te donner un conseil? Pense à ce que ferait Gas. Faire comme Gas. Mais c'est moi, Gas. Sulfus m'a profondément déçu. Je ne pourrai plus jamais lui dire ce que j'éprouve pour lui. Heureusement, je peux encore compter sur mes amis. Aurier, ça va? Oui et non. Je suis en train de faire des recherches sur mon humaine Sarah et mon septième sens me dit qu'il se prépare quelque chose de terrible aujourd'hui. C'est pas le moment de t'inquiéter pour ça. Il faut qu'on parte tout de suite à l'école. On a cours avec Cassidy. J'avais complètement oublié. Dépêchons-nous, on n'a pas intérêt à la faire attendre. Pendant le trajet, tu voudrais bien me poser des questions sur mon humaine Sarah? D'accord. Quel âge a Sarah? Ça c'est trop facile. 15 années étoiles. Tu voulais dire 15 ans? 15 ans, oui, t'as raison. Ne t'en fais pas. Les ans ou les années étoiles, c'est pareil. Non, pas du tout. Oh non, Dolce. Ce n'est absolument pas la même chose. Maintenant, j'ai une question importante à vous poser. Et je parie qu'aucune d'entre vous ne saura y répondre. Comme vous allez être surchargée de travail à l'école cette année, comment allez-vous trouver le temps de vous occuper de votre humain? N'oubliez pas que vous devez le guider et le protéger. C'est bien ce que vous voulez, n'est-ce pas? Alors ceci devrait vous aider. C'est une alarme espionne. Elle vous alertera à chaque fois que votre humain aura le moindre problème. Cette chose, ce bracelet, va décider du moment où nous devrons intervenir, c'est bien ça? Non. Vous devrez toujours suivre les règles du veto et aller combattre votre adversaire dans la chambre des défis. Pour savoir qui arrivera le premier auprès de notre humain. Exactement, Kabalé. Et j'aimerais que personne ne l'oublie. Ça risque pas, professeur. Je l'ai jamais su. Mon alarme est en train de sonner. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vole vers ton humaine et comme toujours, séduis-la comme un vrai démon. Vous croyez que je devrais partir maintenant? Évidemment. Et guide-la et protège-la comme doit le faire un ange. On devrait peut-être lui donner un coup de main. Elle va se débrouiller, Raph. Et j'ai d'autres projets pour toi. Tu vas rester ici avec Dolce et participer à l'installation d'Internet. Quoi? Internet, Dolce. Le professeur Omnia va venir tout vous expliquer. Et toi, Mickey, je crois qu'un peu d'exercice te ferait le plus grand bien aujourd'hui. Tu devrais te rendre directement à la... salle de gym? Exact. Tu n'obtiendras jamais le respect qu'un démon doit inspirer si tu continues à être gras et mou comme tu l'es. Je suis juste bien charpenté, professeur. La classe de Sarah ne devrait pas être très loin. Elle est là. Oui. Moi aussi, je suis là. Cabria, alors toi aussi, t'as une alarme espionne? Désolée, les anges n'en ont pas l'exclusivité. Je n'ai pas envie de discuter, je suis là pour protéger Sarah. Laisse tomber, parce que je suis là pour la tenter.
On dirait qu'elle est très absorbée par le cours. On dirait que tu es surprise. Tu sais, ça arrive parfois. Mais comment est-ce possible? Un cours de maths, c'est tellement ringard. Ah, je comprends. Tu n'as pas dû lire ton manuel. Bien sûr que non. Étudier, c'est bon pour les anges. Eh bien, c'est dommage, parce que tu saurais que Sarah est la meilleure élève de sa classe, qu'elle est capitaine de l'équipe de volley, qu'elle est déléguée de sa classe et qu'elle aime la musique et joue du piano à merveille. En gros, c'est une intello. Tout le monde doit la détester. Bien au contraire. Ici, c'est écrit que Sarah est très appréciée par ses camarades de classe et il paraît même qu'ils font souvent appel à elle pour les aider. Oh, je suis persuadée que s'ils font appel à elle, c'est dans l'espoir de recopier ses devoirs. Mais franchement, ça m'étonnerait que quelqu'un ait envie de passer du temps avec elle. On ne peut pas s'amuser avec une intello. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, Cabria. Sarah, t'as une seconde? Tu peux nous rendre un service? Bien sûr. On t'a vu prendre des notes pendant le cours et nous, on n'écoutait pas vraiment. Je vous passe mon classeur. J'ai tout noté, je crois. Alors? Merci. Et aussi, on voulait te demander si... Tu voudrais bien sortir avec nous, qu'on fasse un truc un de ces jours? Sortir? Pour aller où? Eh ben, on s'était dit qu'on pourrait aller au centre commercial et faire un peu de shopping. Alors? Eh ben, ça me plairait beaucoup d'aller avec vous. Mais tous les après-midi, je dois rentrer à la maison et m'entraîner au piano. L'intello doit faire ses exercices au piano. Et elle doit étudier. Étudier. Les super branchées, mais qu'est-ce qu'elles font ici? T'es pas au courant, elles devaient être virées, mais finalement, elles redoublent. Ah, elles vont rester un mois de plus. Bon, on va te laisser. Non! Attendez, ça me plairait. Il faut que je m'organise un peu. Laissez-moi un peu de temps, je vous préviendrai, d'accord? Ok. D'accord. J'ai très envie d'aller avec elle, mais d'abord, je dois demander la permission à ma mère. Pourquoi est-elle si préoccupée? Ça veut dire que sa mère ne la laissera pas aller se balader? Oui, c'est possible. Mais si c'est le cas, je pourrais inciter Sarah à désobéir à sa mère. N'y pense même pas! Le professeur Cassidy nous a confié la délicate mission de vous assister dans vos cours de technologie et d'introduction à Internet. En gros, il nous a refilé un sale boulot. Gnosis, était-ce bien nécessaire? Les démons disent les choses comme elles sont, je n'y peux rien! C'est absurde! Nous allons donc commencer. Ça ne marche pas. Je ne comprendrai jamais cette technologie diabolique. Technologie diabolique, vous dites? Alors c'est mon domaine. Votre domaine? Allons-y, après l'avoir soulevé, serre-toi de tes ailes pour pousser. Tiens la pose quelques secondes en fléchissant sur tes jambes. T'as compris? À 200%, je vais sûrement me la prendre sur les pieds. Mais non, je serai là pour t'aider. Et ne t'inquiète pas, la concurrence n'est pas très brillante. Allez, mon cher petit grassouillet, plus vite! Plus vite! Vraiment, horreur de courir! Oh, j'en peux plus, tellement je m'ennuie. Ça fait des heures que Sarah répète ses morceaux de piano. Oui, ça doit vraiment être fatigant. Ça fatigue surtout mes oreilles. Je commence à croire que ce gadget ne sert à rien. Et je ne vois pas pourquoi on est là et ne se passe rien qui puisse nous concerner. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ah, maman est rentrée. Bonsoir, maman. Tu as déjà fini tes exercices de piano? Oui, maman. Au fait, je voulais te demander quelque chose. Je me disais qu'un après-midi, je pourrais aller me balader avec des copines de ma classe. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux sortir? Pour faire un peu de shopping, pas très longtemps. Tu ne parles pas sérieusement? Tu oublies que ton concert approche. Mais c'est dans 3 mois. Justement, tu n'as plus que 3 mois pour répéter. Ce concert est important et nous ne pouvons pas échouer. Nous? C'est moi qui vais jouer. Et moi, je serai dans le public. Je t'écouterai jouer, je serai entourée de personnalités et je tiens à ce que ta prestation soit parfaite. Maman, s'il te plaît! J'ai dit non, la discussion est définitivement close. Je ne veux pas que tu finisses comme ton père. C'est pas juste! Elle a raison, sa mère ne peut pas l'obliger à tout laisser tomber. Elle l'empêche même de voir ses amis, tout ça parce qu'elle veut la voir devenir pianiste. Ah, c'est simple, elle n'a qu'à désobéir à sa mère. Allez, Sarah, ne fais pas ta trouillarde. Laisse-la tranquille! Je savais qu'elle dirait non. Elle m'oblige à répéter des heures et des heures pour ce concert stupide.
Moi, j'ai envie de sortir avec mes amis. C'est un bon début. C'est bien. Et d'ailleurs, pourquoi je répète autant? Mais oui, maman ne s'en apercevrait même pas si j'arrêtais. Elle ne rentre jamais avant l'heure du dîner. Excellente idée. Non, ce n'est pas bien de désobéir. Tu disais toi-même que ce n'était pas bien de l'empêcher de sortir constamment. Effectivement, ce n'est pas bien, mais je... Tu n'as pas l'air sûre de toi, Aurier. Un peu perdue? Je ne suis pas perdue. Il faut que Sarah parle absolument à sa mère. Voilà. Mais elle vient de le faire, non? Non, 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 non. La seule solution, c'est qu'elle désobéisse à sa maman. Et je vais tout faire pour la convaincre. Tu devras d'abord me vaincre. Oh, j'accepte avec plaisir. Rendez-vous dans la chambre des défis. Au secours, faut que je m'allonge. Pauvre Gas, ils l'ont vraiment épuisé à la salle de sport. Tant mieux, il dormira d'un sommeil de plomb cette nuit. Je dois trouver le moyen de prévenir Raph. Je dois lui parler de sa mère et de ces deux affreux qui la gardent en otage. Oh. Basilico! Où est-ce que tu vas comme ça? Et si je te suivais, tu m'aiderais peut-être à comprendre ce qui se passe. Oh zut, je l'ai perdu! La prochaine fois, je serai plus rapide. Le serpent vient d'arriver. Bien! Je vois que tes pouvoirs fonctionnent parfaitement. Vous en doutiez? Absolument pas. Sinon, nous n'aurions pas fait appel à tes services. Approche, Basilico. Voyons s'il s'est passé quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Aurier n'est pas encore rentrée? Toujours pas. Bizarre, elle est partie depuis ce matin. Elle a très certainement beaucoup à faire pour protéger son humaine. Oui. Plus il y a d'humains, plus il y a de problèmes. J'ai l'impression que cette année va être très dure. C'est parti. Et celle qui vaincra aura le droit de faire le premier pas vers Sarah. Tu viens de m'apprendre un truc, là. En attendant, prépare-toi à subir les tourments de la défaite. Dans ce cas, c'est toi qui choisis. À quelle compétition tu veux participer dans la chambre des défis? Celle-ci. L'énigme, je me demande ce que ça veut dire. Ah. Oh, oh,